bonne journée. Il y a tant de choses à voir. Tant de choses à savoir. Vous allez bien rire quand vous allez découvrir nos habitants. Et en route. Il vous réjouit. Voguez à toute allure. Dans l'air de Tournevis, toujours content. Les jours y a du nouveau. Vite, ça commence bientôt. Tournevis vous attend. Suivez-nous les enfants. Le monde irrésistible de Richard Scarry. Une petite pause? Non, Asticot, pas question, tant que je n'aurai pas trouvé le cadeau d'anniversaire de maman. Piéton droit devant! Ma sonnette ne marche plus! Oh, oh. Arrête-toi! Je crois. Pour autant qu'il évite de s'asseoir. Allons-y. Dépêchons-nous de trouver ce cadeau. Hé, Asticot, une bague, ce serait drôlement bien. Ou une guitare. Estrée électrique, regarde. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hé, Cassis, ce cadeau, c'est pour toi ou pour ta maman? Oh, regarde toutes ces pendules. Je suis à vous tout de suite. Oh. Comme vous avez de grands yeux, monsieur Tic-Tac. Ah, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Cela dit, que me vaut l'honneur de ta visite? Je cherche un magnifique cadeau pour l'anniversaire de ma mère. Donc, un cadeau d'anniversaire. Oui. Que je réfléchisse. Oh, j'ai là un article exceptionnel. Le prix aussi doit être exceptionnel. Je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est que je n'ai pas beaucoup de sous. Ça ne pose aucun problème. J'ai là un article de bonne qualité qui devrait convenir à ton budget. Waouh, c'est formidable. Je vais l'acheter. J'ai hâte d'offrir ce cadeau à maman. Monte vite, nous prendrons par un raccourci. Pas si vite. Cassis, ta sonnette. Oh, ah, ah, je sais que c'est la postière, mais ce n'est pas une raison pour la tamponner. Bon, à nous. Les victimes d'abord. Voilà, ça devrait aller. Tu roulais beaucoup trop vite, Cassis. Je l'avoue. Excusez-moi, j'étais tellement pressée de rentrer. Mais enfin, quand on a une sonnette, on l'emploie pour avertir les gens. J'ai essayé, elle est cassée. Qu'attends-tu pour la faire réparer? Un autre accident? Il n'y a pas que la sonnette à réparer. Oh, c'est pas possible. Le cadeau de mon... Tu devrais porter cette pendule à Monsieur Répartout. Et ta sonnette par la même occasion. Salut Cassis, salut Asticot. Bonjour Monsieur Répartout. Je suis à vous tout de suite, mais je dois faire un dernier petit réglage sur dentier. Et voilà. Ma sonnette de vélo ne marche plus. J'ai cassé ma pendule et j'ai une roue tordue en plus. Pourriez-vous me réparer tout ça? Parfait.
parfaitement réparable, mais il n'y a rien à l'épreuve de Repartout. Tu ne seras pas venu pour rien. Merci, monsieur Repartout. Tout sera terminé, disons, dans une heure. Hé, hey, tu vois ce que je t'avais dit? Il va nous arranger ça en moins de deux. Une clé de 12 là-bas. Une clé de 14. Plutôt la clé de 10. Et voyons voir. Je ne sais pas au juste où ça va. C'est du démontable. Oh, il retourne. Sonnette. C'est une véritable usine. J'aimerais voir ce qu'il fait. Personnellement, j'aimerais savoir ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu vas chercher? Monsieur Repartout est un génie. Oh, oh. Rien n'est à mon épreuve. Et en voici la preuve. Et même livré en paquet cadeau. Je te l'avais dit. Waouh! Merci beaucoup, monsieur Repartout. Vous êtes un génie. Content de t'avoir dépanné. Que ça casse ou ça se décolle, Repartout le bricole. Je suis encore plus pressée d'offrir mon cadeau à maman. Oh! Maman! Oh! Joyeux anniversaire! Merci, Cassis. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh. Oh. Hey, c'est la sonnette de mon vélo. Tu m'as fait un merveilleux cadeau, mon chéri. Il te plaît vraiment? Ou tu dis ça pour... Il me plaît beaucoup. Wow. T'as vu ça, Stigo? Monsieur Repartout a en plus le génie de l'invention. Merci les enfants, vous m'avez fait le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie. Maintenant, tout le monde nous entendra arriver. Vous vous rendez compte? Cassis, tu as mis un timbre sur l'enveloppe? Ben, c'est-à-dire que... Il en faut un si tu veux que la lettre arrive. Mais... Vérifie bien le nom, l'adresse, n'oublie pas de timbrer. Où il sera ramassé et mis en sac par un employé qui n'a plus qu'à le charger. Puis à la poste, on met un coup de tampon portant le nom de la ville. Le tri est fait à la machine vers toutes les destinations. Puis les facteurs font leur tournée avec leur sac plein de courrier qu'ils vont livrer à l'adresse indiquée. Avec une lettre, fait un heureux. Une simple lettre, c'est un cadeau précieux. J'ai reçu des nouvelles, comme la vie est belle. J'ai reçu des nouvelles, comme la vie est belle. Je l'ai retrouvé. T'avais bien mis un timbre. Un timbre? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Notre histoire se passe en Irlande, là où ondulent les vallons, où poussent les trèfles à quatre feuilles et où scintillent les arcs-en-ciel. Les Irlandais sont réputés pour deux choses. Ils chantent... Qu'est-ce qu'il y a de plus vert que l'Irlande? Plus vert que l'Irlande, plus vert que l'Irlande. Rien n'est plus vert que l'Irlande. Et quand les Irlandais ne chantent pas, ils parlent. Dolan, tu avais quelque chose à me dire, non? Non, rien de particulier. Mais notre histoire est celle d'un petit Irlandais qui n'avait jamais chanté ni parlé. Patrick Henriette n'arrivait à prononcer qu'un seul mot. Oink. Regarde ton père, je suis le fils de Bavard et Bavard moi-même, et nous le sommes depuis 600 ans. Pourquoi ne dit-il jamais rien, Tessie? Ah, nous avons un beau petit aux yeux verts comme le trèfle et tout ce qu'il sait dire, c'est... Oink. Cet endroit a l'air sympathique comme tout. Qu'en dis-tu, Tessie? Tout à fait d'accord. Entre. Oink.
honte. Trois règles à observer. Pas de cris, pas de bagarre. Et si vous parlez à ces trois-là, c'est à vos risques et périls, sais-tu. Comment ça va? Que dirais-tu d'une crème d'orge, Tessie? Allons-y pour trois crèmes d'orge. Veuillez m'excuser, mais vous êtes assis à notre table. Oh, bien sûr que nous le sommes. Nous n'avons pas l'habitude de nous asseoir à la table de gens qu'on ne connaît pas. Parce que nous nous connaissons. Vous nous avez fait un petit signe, oui ou non? Certes. Auriez-vous l'habitude de faire un petit signe à des inconnus? Certainement pas, ça n'était que... Prétendez-vous nier avoir fait signe de le même? Oui, je... Oh, feriez-vous des signes à des gens que vous refuseriez de recevoir? Quelle était la question? Oh, ça mérite une tape dans les dents. Quel gentleman, ça mérite une accolade. Vous nous recevez si gentiment que ça mérite un coup de main. Coup de main? Mais à quoi faire? À faire parler le petit Patrick. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit? Tu voudrais apprendre à parler? Oink! Mon garçon, au château de Blarney, nous irons. Pourquoi irons-nous à ce château? Parce qu'il recèle la pierre de Blarney, une pierre légendaire. Ça, c'est un don de main. Ça mérite une poignée de main. Et une tape dans le dos pour ce gentleman. Au château de Blarney, nous irons, héros, héros, petit pète-pou. Il embrassera la pierre. Un seul baiser sur la pierre de Blarney, et votre fils sera en mesure de parler, de bavarder et de... Croyez-vous qu'il a une chance? Absolument. Définitivement. Très certainement. Qu'en dis-tu, Tessie? Devons-nous tenter cette aventure? Eh bien, c'est réglé. Au château! Il va embrasser cette pierre et il va parler par Saint-Patrick. Ce sera un bavard comme des générations et des générations de riches. Pourquoi cette halte? Oh, je vois un passage de Farfadé. Le château de Blarney. As-tu déjà vu des lieux aussi sinistres, Tessie? Et moi non plus, je dois dire. D'après la légende, il y avait un roi qui savait ni parler ni chanter. Mais ces sujets auraient tout donné pour savoir enfin ce qu'il avait à dire. Malgré tout, ces efforts, ils ne pouvaient mettre ensemble. Jusqu'au jour où le roi sauva une sorcière de la noyade. Et pour l'en remercier, il lui jeta un sort favorable sous la forme d'une pierre. Magique. Alors qu'il tentait de reprendre un peu d'air, ses lèvres touchèrent la pierre et, oh, surprise, il se mit à parler. Aidez-moi, au lieu de rester planté. Et voici comment la pierre de Blarney entra dans la légende. Es-tu prêt à trouver l'usage de la parole, fiston? Oui. S'il se contentait d'envoyer un baiser? Non, ses lèvres doivent absolument toucher la pierre. Permettez une petite démonstration. Le bas du pantalon. Tu as intérêt à bien serrer ta ceinture. Oink. Sans vouloir me moquer. Ça a toujours marché auparavant. À 100%. Vive l'Irlande! Voilà qui est bien dit, mon garçon. Brian McCabane, Steve Opera, Patrick Aurier. Mon fils chéri à moi! Obélisque, Opinel, Odin, Odingue, Odong. Voilà, voilà, voilà. Et va donc faire un tour, ça te fatiguera. Au Péret, au Tari, au Tite, au Mission, au Bou, au Rhin, au Tomatine, vive les Cornelins Irlandais. Cork, Dublin, Leicester, Limerick, Galway, OK. Cet enfant finira-t-il par s'arrêter de parler? Peut-être. C'est improbable. Daniel. Oh, miséricorde. Oh, nom d'un chien. Trèfle à quatre feuilles. Crème d'orge. Verte prairie. Tu ne vois rien qui arriverait à le faire taire, Tessie? Moi non plus, hélas. Moi non plus. Bon, alors, qu'allons-nous faire?
faut que je me dépêche de faire les commissions avant que ça ferme. Stop! Stop, regarde, écoute. Ne cours pas en traversant, si ton ballon roule du trottoir. Ne passe pas entre les voitures, les chauffeurs ne peuvent pas te voir. Emprunte les passages piétons, regarde bien des deux côtés, yeah. Stop, regarde, écoute. C'est une règle qu'il faut respecter. Alors stop, regarde, écoute, yeah. Fais attention aux lumières, ne passe jamais au rouge. Mais quand c'est vert de ton côté, tu peux traverser, yeah. Alors stop, regarde, écoute, yeah. Toujours stop, regarde, écoute. Alors stop, zut, il est trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Toujours dans mon chemin. Non, stop, stop. Laissez traverser, Monsieur Grognon. Bien le bonjour, Monsieur Grognon. Bah, je lui ai rien demandé, celui-là. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Tous ces gens partout, on serait plus tranquille s'ils n'étaient pas là. Oh, bonne mère, mon chapeau. Je vais pouvoir coûter une paix bien méritée. Ah. Coucou, Monsieur Grognon. C'est moi, Hilda Hippo. Encore un de ces petits enfants. Vous êtes grande pour une enfant. Monsieur Grognon, je viens faire la quête. Allez-vous-en. Au ciel, je n'abuserai pas de votre temps. Je viens faire la quête au profit de l'hôpital en vendant d'excellents biscuits au raisin. Ah, je ne fais pas la charité. Quant à vos biscuits, je n'en mangerais même pas si j'étais au pôle Nord. Oh, mais c'est pour les enfants. Auriez-vous la bonté de me débarrasser de mes derniers biscuits? Oh. Ouais, je vais vous en débarrasser. Et plus vite que vous ne le croyez. Vous feriez ça? Fichez-moi le camp! Les enfants, à quoi ça sert, les enfants? À rien! Oh, si ce n'est à vous embêter! Qu'est-ce que ce serait bien si on pouvait patiner sur les dents de Monsieur Grognon? T'as raison, il n'y a qu'à y aller! T'es pas fou! Monsieur Grognon ne veut même pas qu'on s'en approche! J'ai voulu aller m'y baigner l'été dernier avec Lynn et il nous a chassés à coups de canne! Mais regardez, les grilles sont ouvertes, il a peut-être changé d'avis. Tu crois? C'est bon, allons-y les amis. Et il faudrait peut-être aller lui demander poliment si ça ne l'ennuie pas. Laisse tomber, puisque les grilles sont ouvertes. Ah, Groseille, tu veux que je t'apprenne à patiner, non? Oh oui. Attendez, la glace est trop mince par ici. Allons plutôt de l'autre côté. Bon, tu vas faire exactement comme moi. D'abord, oh, oh, oh. Comme ça. Oh, 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 oh. Mais les hauts ne sont pas indispensables. Ah, bon, d'accord. Hé, hey, regarde un peu ça. Formidable, je sais patiner. Oh, c'est gentil, mais... Disons le deuxième meilleur, le principal, c'est de s'amuser. En espérant que Monsieur Grognon ne nous voit pas. La quête, les biscuits au raisin, et puis quoi encore? Non, Donna, il y en a 100 qui frappent à votre porte. Et pendant qu'on y est, et pourquoi ils patineraient pas sur mon étang, hein? Mais... Oh, oui, ils patinent sur mon étang. Oh.
Oh, je vais leur apprendre, moi. Un petit garnement qui va être un peu je vais vous... Monsieur Grognon fait de la lutte. Ah, pas certain du tout. Il a sa canne à la main. Attendez un peu, bande de garnement. Attention, monsieur Grognon, la glace est mince. Tu vas tomber avec lui. J'ai trouvé. Servons-nous de l'échelle. Venez. Ne m'abandonnez pas. On arrive, monsieur Grognon. Attention. Poussez l'échelle, mais n'avancez surtout pas sur la glace. Ne bougez pas, monsieur Grognon. Mais qu'est-ce que vous faites faire, votre petit garnement? Attendez. Ah, vous m'avez sauvé la vie. Oh. Ouvrez la bouche, monsieur Grognon. Température normale, vous avez vite récupéré. Je crois que j'ai gâché votre partie de patinage. Mais monsieur Grognon, vous êtes plus précieux que n'importe quelle partie de patinage. Ah, merci, Cassis. C'est la première fois qu'on me dit des mots comme ça. Maintenant, prendriez-vous un biscuit au raisin? Oh, merci. Très bon, je sais maintenant à quoi servent les enfants. À redonner vie, à ramollir les cœurs de pierre comme le mien. Je vais offrir une grande fête à tous les enfants de Tourneville. Monsieur Grognon a bien changé, tu trouves pas, Stico? C'est tout de même drôle. Il a suffi d'un plongeon dans l'eau glacée pour que son cœur se réchauffe enfin.